Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Comme vous savez, on fait de la piste et maintenant on va vous présenter nos motos de pista. Donc on va un peu vous présenter tout le matos qu'on a et tout ce qu'on a monté sur nos bécanes. Tout le matos qui est nécessaire pour se mettre bien sur la piste. Allez, c'est parti. I need a bitch with some confidence. A girl with an ego as big as mine. And if she ain't got it, she gotta go. I can't afford to waste any time. I need a mansion with 80 rooms. Comes with a chef and a maid. They do all the cooking and do all the cleaning. I'm talking about every day. I need a couple of M's that I can go spend with a couple of friends. Make that shit rain in the club. Drink all the bub and right after jump in the Benz. I need some more of these haters. Some people that don't like my stunts. I can't have everybody fucking with me, cause then it just wouldn't be fun. I need a lot. I need the whole fucking globe. I will not settle for anything less than a toilet that's made out of gold. I want my shit to go down with finesse. I want a wipe with a Saint Laurent vest. I want the money to balance the stress. I want the lotto. I wanna buy Donald Trump and sell him to El Chapo. I need the riches. I'm talking guap that allows you to burn all the bridges. I wanna flex on the bitches that curb me, treating me like I ain't worthy. Ho? Look at my numbers, they going up like the temp in the summer. I'm gaining heat like I told you I would. Okay, now you want the pipe, bitch, you's a plumber. Bon alors, comme dit, aujourd'hui on va vous présenter l'équipement qu'on a sur nos motos. Alors on va commencer par la bécane de Fennec. Donc ma moto c'est un 300 EXC de 2014. Je l'ai acheté, elle avait 92 heures il y a 2 ans et demi, 5 200 euros. J'ai pris cette moto à la base parce que je voulais une homologuée. Et voilà, j'ai toujours kiffé le deux temps. Je voulais un gros deux temps. À l'époque, on n'en voyait pas beaucoup sur le circuit. C'est des motos qui sont plutôt rares. Donc, quand tu passes à côté, en général, on te regarde. Ah, c'est une bonne moto, elle est plutôt fiable. J'ai pas vraiment eu de problème avec. Ça demande plus d'entretien, mais l'entretien est plus facile et puis c'est moins coûteux. Donc, au final, ça s'équivaut un peu à un 4 temps. Et toi, qu'est-ce que tu penses de cette moto? Ben, j'ai la même bécane en enduro, en 6 day, la même année et tout. Moi, je trouve que c'est une bonne bécane. Après, moi, je suis plus 4 temps. Après, pour l'enduro, le deux temps, c'est la vie. Pour le super motard, moi, j'étais pas trop pour monter sur un deux temps parce que voilà, c'est plus compliqué. Il n'y a pas de frein moteur. Pas de frein moteur. La plage d'utilisation des régimes, elle est beaucoup plus réduite. Plus difficile à utiliser. Faut faire attention, ouais, avec les valves qui s'ouvrent. Quand les valves, elles s'ouvrent, elles ont tendance à foutre des raquettes. Après, ce qui est bien, c'est que tu peux régler aussi l'ouverture des valves avec différents ressorts. Moi, j'ai le ressort le plus souple, ce qui fait que la moto est plus linéaire. Vu qu'au début, on faisait pas mal de route et tout, c'est pour moi, j'avais le 690 encore. Et je voulais pas monter le 300 super motard, parce que ça me faisait un peu chier d'aller faire le plein, d'amener de l'huile avec et tout le truc. Après, quand on aime, on regarde pas forcément ça, quoi. Niveau entretien moteur, avec les 2 ans et demi, j'en suis à peu près à 600 euros par an. Une fois, j'avais une bielle à faire et une fois, j'avais un renicazine. C'était pas dû à des casses, mais ça demande de l'entretien et pour éviter que ça casse, ben on le fait, voilà. Ces deux motos, c'est pas fait pour faire 100 km par jour sur la route. Si vous voulez faire ça, il faut mieux s'acheter un 690. Au niveau de l'huile, j'utilise de la Motul 800. C'est de l'huile haut de gamme et j'ai jamais eu de problème avec. Alors les roues, j'ai trouvé en occasion. C'était plutôt une bonne occasion. C'était des XL et c'était comme neuf. À l'avant, j'ai du 17 pouces x 3,5 et à l'arrière, j'ai du 17 x 5 pouces. Le 5 pouces, ce qui est bien, c'est que c'est assez large, donc votre pneu, il est moins arrondi. La surface de contact au sol est plus importante, donc vous aurez plus de grip. Après, il y a du 5.5 qui existe aussi, mais là... Je suis tombé sur cette occasion et pas une autre, voilà. Donc avec les roues, j'avais aussi le train avant complet, donc la fourche plus l'été. Ça provient d'un 6.60. Ce qu'il y a de bien, c'est que d'origine, c'est plus dur. Donc au début, je roulais sur la route, ça me suffisait. Mais depuis que je fais de la piste, c'est beaucoup plus optimal de faire une préparation suspension. Donc on a décidé de faire préparer nos suspensions chez Royal Suspension. On avait fait une petite vidéo chez lui où il y a toutes les explications, tout son savoir-faire et tout. Si vous voulez la voir, c'est vers là. Vous cliquez ici. Là-bas quelque part, là. Alors le freinage, ça, c'était aussi compris dans le kit. Donc c'est aussi un freinage d'origine pour 660. C'est un Brembo 4 pistons. Le disque, c'est un disque de 320. Pareil, pour la route, ça suffit. Maintenant, je vais pas vous cacher que le Behringer, c'est largement un cran au-dessus. Donc ce kit complet, jante plus fourche, plus freinage, j'ai payé ça 1 250 euros. J'ai aussi mis un kit départ
Avec ce kit départ, ça vous compresse la suspension et donc ça vous rabaisse l'avant. Avec ça, fini les wheelings au départ. Si tu veux faire un bon départ, ça devient obligatoire. Pour les pneus, nous on roule en Michelin, des Michelin Power Supermoto. C'est des pneus slick, hein. À l'arrière, on a du 160 et à l'avant, on a du 120. Il y a plusieurs gommes disponibles que tu peux choisir en fonction de la température et du circuit, quoi. Le prix, c'est environ 300€ le train quand même. C'est pas donné, mais si tu veux vraiment faire de la piste, t'as un autre grip, c'est... Il n'y aura aucun pneu homologué qui... C'est incomparable, incomparable. Quand tu vas sur piste, t'es aussi obligé d'avoir un récupérateur de fluide pour qu'en cas de chute, lorsque la moto est couchée, que le liquide ne puisse pas aller sur la piste et faire tomber les autres. Donc voilà, tout ce que je viens de citer, c'est un peu tout ce qui est obligatoire pour faire de la piste. C'est vraiment le minimum, le B.A.B.A. Ensuite, il y a tout ce qui est protection. Donc, les protège-mains, ça vaut dans les 90€ des comme ça. Mais c'est en alu, c'est costaud, c'est pour la sécurité également. Et ça donne aussi un style à la moto. Le sabot aussi est important. Pour le bloc moteur, ouais. Surtout en enduro. Il y a des cailloux qui tapent sur le moteur et tout. Ça englobe tout. C'est nickel pour protéger le moteur au mieux. Bon, c'est des AXP, c'est pas donné, ça vaut 120€. Franchement, c'est du costaud. Mais j'ai eu un petit souci avec. Si vous voulez, d'origine, ça remonte de côté. Et j'ai dû couper parce que je me suis retourné une fois parce qu'il m'a gêné. Il m'a gêné quand je voulais freiner, j'ai pas réussi à freiner. Et donc je me suis retourné, quoi. Pour les protège-cadres, j'ai pris des Acerbis. Ils sont des bicolores, je trouve que ça donne un bon style à la moto, ça change vraiment la gueule. C'est un détail qui tue. Dans le même style, qui protège et qui fait en même temps de déco. On a le protège-bras oscillant, ça vaut une petite 40aine d'euros. C'est des polysports. Un autre truc que j'ai changé sur ma moto encore, c'est le pot d'échappement. J'ai mis un Fresco dessus. J'ai payé 260€ le corps d'échappement Fresco. Moi, personnellement, j'ai pas senti de grosse différence en changeant le truc. Mais ça change vraiment la gueule d'un moto. Avec les traces de soudure, franchement, il tue, hein. Ouais. Moi, je trouve que ça change grave la gueule, ouais, ça lui donne une belle gueule. Au niveau du silencieux, j'ai un FMF, un PowerCore 2, que j'ai payé 140€. J'ai un peu plus de couple à bas régime, mais j'ai moins d'allonge. Le son est plus joli, il fait un peu plus de bruit, mais ça reste correct. Par rapport à un 4 temps, ouais, c'est donné, hein. C'est donné quasiment par rapport à un 4 temps. Pour le prix complet, vous pouvez acheter juste le silencieux pour un 4 temps. Donc au niveau de la transmission sur circuit, on change plutôt beaucoup sur un 2 temps. Exemple, à Villars, j'étais en 12,42 et à Mirecourt, je suis en 14,42. J'ai mis une couronne anodisée KTM que j'ai payé 50€. Et j'ai mis une chaîne orange, c'est une AFAM, que j'ai payé 90€. Alors les cale-pieds, j'ai pris des DRC. Sur piste, on est obligé d'avoir des tampons de protection en dessous. Sur ces cale-pieds-là, ils sont intégrés. Ça coûte 60€. C'est pas cher, mais franchement, les sliders en dessous, ils sont pas solides. Je suis tombé une fois et puis je pourrais déjà le changer. Alors pour les kits déco, nous, on est allé chez GXS. Franchement... Y a qu'à regarder, hein, ça tue. Hein. Ouais, c'est clair, franchement. Ça tue. Hein. Alors, on est à 200€, 100% perso. On a vraiment modifié chaque détail sur les kits déco. Vraiment tout au millimètre. C'est de la qualité avec toutes les chutes que je me suis pris. Ouais. Franchement. Alors, j'ai mis un levier anodisé. J'ai acheté ça sur AliExpress. J'ai acheté ça à 20€ les deux. Mais franchement, l'anodisation est correcte. La qualité... Pour 20€, franchement, il n'y a pas à chier. J'ai aussi acheté sur AliExpress les poignées ProTaper. Bon, je les ai payées 4€. Elles sont plus dures que les originales, donc ça procure plus facilement des ampoules. J'ai encore mis un dernier truc de AliExpress sur ma moto. C'est la housse de sel. Pareil, c'est pour la déco. J'avais payé ça 30aine d'euros. Mais franchement, je regarde presque parce que la qualité est vraiment à chier. Déjà, c'était la merde à les fixer. Il y a déjà un trou dedans. Donc voilà, je déconseille. Ensuite, un dernier accessoire que j'ai mis dessus. C'est un chronomètre qui marche avec le GPS. C'est un Starlane GPS 3X, pour être précis. Ça vaut 350€ en neuf, mais c'est ultra précis. Vous pouvez voir vos trajectoires et vos analyses sur l'ordinateur après. Voilà, maintenant que vous savez tout sur ma moto, ça va être maintenant au tour de Dino de tout vous raconter. Si vous voulez tout savoir sur mon CRF, ça sera dans la prochaine vidéo. Alors abonnez-vous, activez la cloche. Dites-nous ce que vous en pensez aussi. Et à la prochaine, bande de bâtards. I ain't with a lottie-dottie, my shawty-shawty coming for bodies, ayy. I don't got no type of problem, but I can solve them, tryna to complicate it. Bitch, I'm a